Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Avant tout, prenons le sommaire. Appel au dépôt des candidatures pour la désignation des animateurs de la CENI par les confessions religieuses. La question suscite débat au sein de la classe politique. Certains veulent d'abord des réformes électorales avant la désignation. Mois de mars, mois dédié à la femme, les cadres de la junte féminine de la Convention de la République et la démocratie bénéficient d'une formation sur le leadership de la femme. Geste de générosité de l'ONG Les Enfants Prodiges à l'endroit de la population des Maloukous avec la construction d'un centre hospitalier dénommé Le Pain Quotidien. Tous les matériels sont bien arrivés à Kinshasa. Après les passages des responsables des confessions religieuses chez les présidents du bureau de l'Assemblée nationale et l'appel lancé par le cardinal Fridolin Ambongo au sujet du dépôt de candidature en vue de la mise en place du nouveau bureau de la CENI, c'est le tollé général. Et la question qui se pose avec acuité, c'est faut-il mettre le nouveau bureau en place avant ou après la réforme de la loi électorale? Paul Dongaziami revient sur cette question. Mise en veilleuse. Après un tollé général qui aura mobilisé toute la population congolaise au courant de l'année 2020, la question de la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, mieux de la désignation de ses membres, a refait surface sur le plateau des débats. Et aujourd'hui, deux blocs paraissent clairement être opposés, à savoir, d'un côté, les confessions religieuses, dernièrement reçues par le président de la Chambre basse du Parlement et appelées à faire diligence en déposant leur candidature pour la présidence de la CENI, et de l'autre, la classe politique. En effet, cette dernière, avec au premier plan le groupe des 13 personnalités et la plateforme La Moka, réclame la réalisation des réformes électorales et de la CENI avant la mise en place du bureau de la CENI, alors que pour la plateforme confession religieuse, les réformes peuvent venir après, étant donné que le train du processus électoral a déjà pris du retard. La bataille se déroule donc autour de la nécessité ou non d'opérer les réformes électorales avant de procéder à la mise en place du nouveau bureau de la CENI. Commencer par la mise en place du bureau serait-il mettre la charrue devant le bœuf? Que veulent les uns et les autres? Quel bénéfice le politique pourrait-il tirer du fait de la révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI avant la mise en place du bureau, s'il faut considérer que chaque action politique est motivée et cache derrière elle une dividende à laquelle on s'y attend? Les confessions religieuses sont-elles prêtes à régler, cette fois-ci, leurs différends en toute sincérité et en toute responsabilité? Et enfin, de quel côté se trouve l'intérêt de la population, souvent prise pour le dindon de la farce? Ce sont là des questions qui rendent certains sceptiques et laissent d'autres perplexes, mais auxquelles il faut répondre pour pouvoir éclairer les perplexes et convaincre les sceptiques. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut accélérer le processus tout en évitant de tomber dans une erreur qui coûterait à la jeune démocratie congolaise. Mais l'histoire a prouvé autant de fois que la précipitation a toujours donné des fruits prématurés. Alors, faites ce qui est bon pour les Congolais, surtout pour leur prospérité et leur postérité, et surtout au moment opportun. C'est-à-dire, si le primat des réformes est impérieux, il convient bien d'y céder. De l'autre côté, si celui de la mise en place du nouveau bureau de la CENI n'est pas préjudiciable au fonctionnement des institutions, le problème ne se pose pas non plus. Retrait progressif de la MONUSCO dans la région du Kasaï, au centre des échanges entre Bintou Keïta et les autorités politico-administratives à Kananga. La patronne de la MONUSCO en RDC séjourne à Kananga justement
pour passer en revue cette problématique dans une interview accordée à la presse au sortir de ces échanges. Bintou Keïta précise que ceci ne sera définitif que vers la fin juin 2021. Ces propos ont été recueillis par Solène Toumba Moufika, notre correspondant sur place. Alors l'objectif principal de la visite à Kananga aujourd'hui avec la délégation qui comprend non seulement la MONUSCO mais aussi les agences fonds et programmes, et nous avons un représentant qui est avec moi et qui représente le représentant spécial adjoint du secrétaire général qui est aussi le coordonnateur résident et le coordonnateur humanitaire, monsieur David Maklakanka. L'objet c'est de venir et de faire l'état des lieux avec les autorités de la province et les collègues des agences fonds et programmes et aussi de la MONUSCO. Je suis avec le chef de bureau de la MONUSCO ici présent pour le retrait de la MONUSCO des Kasaï. C'est une décision qui a déjà été prise avant que je n'arrive et donc la sortie des Kasaï est prévue pour le 30 juin. Vous comprenez que nous n'avons que quelques mois et par rapport à ces quelques mois, c'est où est-ce que nous en sommes et écouter aussi donc les autorités sur leur appréciation aussi de l'état des lieux par rapport aux objectifs prioritaires du mandat lorsque nous sommes en train de faire un retrait. Je suis en train d'écouter tout le monde et après je me ferai une opinion. Vous préjugez que j'ai déjà des indicateurs. Et par rapport à ces statistiques, ce que je vois, c'est une diminution de ces incidents sécuritaires. C'est la raison pour laquelle c'est toujours important d'avoir un dialogue, parce qu'il y a ce que l'on voit, ce que l'on documente, et par rapport à ce qui a été documenté, moi j'ai vu une courbe descendante. On reste au Kasaï central pour signaler que le gouvernement provincial organise depuis le mardi 23 mars à Kananga les travaux de reddition des comptes du budget exercice 2020. Ces assises de 8 jours sont appuyées par le projet de renforcement de redevabilité de la gestion des finances publiques en sigle Profit Congo. Des précisions avec notre correspondant dans les Kasaï central, Solé Toumba Moufika. Ces assises qui se tiennent au Guest House Monde Arabe 1 sont une réponse à un devoir de redevabilité du gouvernement provincial face à sa gestion de finances de la province durant l'année 2020, et c'est au travers l'élaboration du projet des 10 portant reddition des comptes du budget pour l'exercice 2020. Maître Jean-Claude Moussas Magnon, coordonnateur provincial des Profits Congo, donne ici les objectifs poursuivis. Il s'agit de produire un document unique qui arrête le compte général de la province pour l'exercice 2020 et régler définitivement le budget de l'année. Transmettre le projet des 10 portant reddition des comptes à la Cour des comptes pour un examen plus approfondi et recueillir les observations de cette dernière qui seront transmises en même temps que le projet des 10 à l'Assemblée provinciale. Appuyer les membres du gouvernement provincial dans l'exercice légal de rendre compte de leur gestion des finances publiques et aux pratiques de redevabilité. Angèle Ngalula Kabena, ministre provinciale de finances, qui a présidé cette activité, a invité le participant à l'assiduité avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc, l'assiduité, la discipline, la ponctualité, les échanges constructifs ou mieux les débats riches et fructueux, l'esprit de tolérance et les analyses approfondies des chiffres doivent vous caractériser tout au long de ces assises. Il faut noter que Profit Congo est un projet financé par la Banque mondiale, la coopération technique belge et le DFID. Les organisations de la société civile et corporations patronales prennent part active à ces travaux. Depuis le mercredi 24 mars, les femmes de la CRD sont sensibilisées sur les leaderships, la société égalitaire et les numériques à l'ère de la COVID-19. Cette session de formation va aller jusqu'à la fin de ce mois dédiée aux droits des femmes. Ndaye Lambochi et Dame Mangou, commentaire et image.
400 femmes de la Convention pour la République et la démocratie CRD de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodia, ont été sensibilisées autour du thème leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19, le mercredi 24 mars 2021. La première intervenante, Thérèse Dikangou, a demandé à la femme de profiter pendant ces mois de mars de connaître ses droits. Quant à la présidente nationale des femmes de la CRD, Monique Mbombo est revenue sur le rôle de la femme pendant cette période numérique. C'est un thème interpellateur, puisque nous avons eu à vivre avec un ennemi, qui est la pandémie de la COVID-19. C'était de notre droit, en tant que responsable leader, en tant que dirigeant, de pouvoir réunir les mamans, pour pouvoir les sensibiliser quant à cela. Et aujourd'hui, tel qu'on est en train de parler de la numérisation, c'est un problème très capital puisque l'éducation n'a pas de limites. C'est chaque jour qu'on doit apprendre, chaque jour qu'on doit étudier. Jules César Michel Mboso a retracé l'historique de la CRD et a invité la femme de la CRD à se former pour lui donner l'occasion d'être prête aux différentes échéances. Nous devons construire ce beau pays en étudiant. L'étude est la pierre de la construction que nous devons apporter à ce beau pays. On a déjà des exemples de femmes qui dirigent. Il y a des femmes présidentes de la République. À La Haye, c'est une femme puisqu'elle a étudié. Donc nous avons toutes les capacités. C'est le jour qu'on doit faire vraiment des réunions. Pour moi, c'est ça. Le Comité national des femmes de la CRD va organiser une série de séminaires pour sensibiliser la femme sur les outils de communication et les réseaux sociaux. Réception ce mercredi 24 mars 2021 dans la commune de Maloukou des matériels médicaux pour le centre hospitalier Le Pain quotidien de Ngamanzo, dont de l'ONG Les Enfants Prodiges. De plus en plus de détails dans ce reportage de Africa Mujinga et Selim Bayab. La population de Kinshasa en général et celle de Maloukou en particulier peuvent s'y frotter les mains. Pour cause, la construction d'un centre hospitalier dénommé Le Pain Quotidien, situé à Ngamanzo, dans la commune de Maloukou, dont de l'ONG Les Enfants Prodiges. Je rends grâce à Dieu. Ngamanzo a beaucoup souffert pendant beaucoup d'années. Nous avons voté des députés, mais ils n'ont rien fait pour nous. Les enfants sont morts par manque d'un centre de santé. Nous disons merci à l'initiateur de cette idée pour ces dons de l'hôpital. Ce mercredi 24 mars, les initiateurs de ce projet ont réceptionné les équipements pour cette formation médicale en présence de bénéficiaires. Déjà, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être aujourd'hui au Congo pour pouvoir mettre en place ce projet de centre hospitalier afin de venir en aide aux nécessiteux. Donc, il faut bien préciser que ce projet a commencé il y a à peine 8 mois et demi. Donc on a acheté ici il y a 8 mois et demi et on a commencé aussitôt les travaux. Et donc l'objectif c'est de mettre en place ici plein d'unités médicales, et notamment un service de diabétologie pour les diabétiques, un service de cardiologie, un service d'ophtalmo et une maternité. Et plus tard bien sûr un service aussi pour des personnes âgées. Quelle est la particularité du centre hospitalier Pain Quotidien? Vraiment, comme la parole le dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, le Seigneur Yeshua a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc toutes les personnes qui vont se présenter ici, les malades, on va d'abord les soigner. Et les veuves, les orphelins qui sont démunis vont pouvoir avoir des soins gratuitement. Et puis ceux et celles qui ont des moyens vont pouvoir donner quelque chose à un prix très très bas. L'inauguration de cette bâtisse est prévue pour la fin de la semaine. Un motif de fierté pour la population de ce coin de la capitale.
Parlons à présent de Kinshasa et ses vicissitudes. Les embouteillages dans la capitale de la RDC sont un casse-tête pour la population et un combat que la police de circulation routière doit mener pour faire respecter le code de la route. Rond-point Ngaba, plus précisément, les causes sont innombrables. Les fausses manœuvres de conducteurs, les mauvais stationnements de motards, ainsi que des marchés pirates. Le commissaire supérieur principal de la PCR, Moukala Kaniki, en donne les explications dans son reportage de Brandy Toumba, Afrika Mujinga et Nana Kalambay. Les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Au rond-point Ngaba, par exemple, la circulation est devenue un casse-tête par les utilisateurs de la chaussée. Le manœuvre des chauffeurs de transport en commun, le mauvais stationnement des conducteurs de motos et véhicules, le marché pirate sont à la base de ces embouteillages qui n'en finissent pas. Il y a les difficultés qui sont liées à l'état des routes. Vous avez vu rond-point Ngaba, comment c'est entouré de beaucoup d'arrêts, de beaucoup de lignes. Hein. Il y a le terminus presque de tout Kinshasa. Ça crée un problème. Il n'y a pas assez d'espace. Et le marché qui est là. Donc parfois, c'est que des charges au niveau du marché, au niveau des dépôts, ça nous crée un problème. Il y a aussi les motards. Hein, qui sont là, ils sont très nombreux, ils utilisent la grande partie de la route ou bien de la chaussée. À Lupen, dans la commune d'Engaliema, au croisement des entrées Upen et Selembaou, la route est devenue impraticable et pourtant, elle est d'une grande importance capitale. Récemment, je viens de casser mon moteur ici à cause de l'état de cette route. Ce n'est pas un problème de Fatshi Béton. Que fait le gouverneur Ngobila? C'est son travail, il est le gouverneur de la ville. Que fait le ministre des ITPR? Il a tout un budget pour ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Le pouvoir public doit s'impliquer pour une meilleure urbanisation de la ville de Kinshasa. La population s'accroît, mais les routes ne sont pas construites. Dans la rubrique actualité vue par les autres, aujourd'hui Esther Badi Biabia et Damé Mahungu ont tendu leur micro à Marcelin Chiswaka, DGA d'intérim de Congo Télévision. Selon lui, l'actualité reste dominée par l'attente de la sortie du gouvernement Samalou Kondé Kyenge, autrement dit gouvernement des Warriors. En fait, l'actualité reste dominée par l'attente de la publication du gouvernement Samalou Kondé. Beaucoup d'interrogations, pourquoi ça traîne aujourd'hui près d'un mois depuis que le Premier ministre a été nommé par le président de la République. Beaucoup attendaient que les choses puissent aller plus vite. Curieusement, ça tire en longueur. Évidemment, des sources bien... finir, c'est que c'est une question de la gestion des ambitions. Après la création de l'Union sacrée, beaucoup de formations, beaucoup de personnalités politiques ont rejoint l'idée du chef de l'État. Alors il fallait gérer les ambitions. Et à ce stade-là, nous apprenons que l'UNC de Vital Kamerhe n'a pas bien apprécié les quotas lui réservés selon le critérium tracé par le Premier ministre. Il n'y a pas que l'UNC, il y a également le président, le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui s'est dit qu'il ne pouvait pas venir à l'Union sacrée pour avoir que deux postes ministériels. Et ceci étant, nous apprenons que le président de la République a dans son quota, lui, promis de pouvoir donner quelques postes ministériels à l'UNC et au MLC. Peut-être qu'un de ces quatre matins, le différend étant résolu, nous pourrions donc avoir finalement cette fumée blanche que nous attendons, donc la publication du gouvernement Samalou Kondé. Dine Sassou Nguesso, élu, réélu avec 88,57%, vraiment, c'est un président à vie, s'il faut le dire. Parlons sport à présent. Après avoir participé au tournoi international de tennis organisé au Bénin
avec à la clé une finale perdue 0-7 à 2 face à la Nigériane Sarah Olise, la championne du tennis congolais dans la version féminine bien sûr, Nancy Onya, a fait la restitution de cette compétition au micro de Patrick Morel-Mukendi et Rigo Moulopo. C'était un tableau très difficile parce qu'on avait 32, vous savez, avoir une possession d'avoir 32 femmes, ça veut dire qu'il y avait 8 pays qui sont venus représenter le championnat. Il y avait la RDC qui était tête de série numéro 1. Trop difficile parce que tu as les meilleurs de chaque pays. Toutes les meilleures de chaque pays viennent dans le tournoi, chez les filles comme chez les garçons. Donc tu as au moins des bonnes têtes de série dès le premier tour du match. Vous savez, je suis la reine de la terre battue. Et quand je joue sur le béton, il y a deux choses différentes. Je ne suis pas bien préparée pour jouer sur le béton. Vous savez, ici, on a le temps de glisser, de récupérer, de jouer à 100% parce que je sais comment gérer sur la terre. Mais quand tu joues sur le béton, je ne suis pas bien préparée. Le climat faisait trop chaud par rapport à ici. Donc, j'ai essayé de donner ce que je peux en tant qu'athlète et grande athlète de la RDC. J'ai d'abord eu la rapidité dans mon tennis, le respect d'abord sur le classement que j'ai eu à l'extérieur du pays, vu la RDC classée deuxième en Afrique maintenant. Pour moi, c'est toute une joie, d'abord pour la fierté de mon pays. Être classée deuxième sur 8 pays, c'est déjà grand chose. Mais prochainement, c'est juste demander qu'on nous donne un peu un terrain en béton pour qu'on se prépare plus tôt. Et Dieu merci, j'ai toujours joué en me disant que j'étais la plus forte, en me disant le drapeau est dans mes mains et j'ai fait ce que je pouvais faire, mais prochainement c'est pour ramener le titre. Prenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. L'opposant et ex-président du Niger, Mahamane Ousmane, a dénoncé une tentative d'usurpation de sa victoire au second tour de la présidentielle du 21 février. La Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours, a confirmé dimanche l'élection du candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des suffrages. Le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola a été lancé dans une région de l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un deuxième test négatif administré sur le dernier patient selon l'OMS. Depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février dans la région du Nord Kivu, un total de 12 cas ont été enregistrés avec 6 décès et 1606 personnes vaccinées. L'Éthiopie ne veut pas de guerre avec le Soudan, a affirmé mardi le Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les tensions entre les deux pays se sont aggravées ces derniers mois dans la région frontalière d'Al-Fashaga. Dans cette vaste zone agricole se rejoignent les régions d'Amara et du Tigré dans le nord de l'Éthiopie et l'état de Gedaref dans l'est du Soudan. Le président du patronat burkinabé Apollinaire Compaoré s'est défendu mardi d'allégations de trafic à la croisée d'intérêts terroristes qu'il juge mensongères et malveillantes. M. Compaoré, sans lien familial avec l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, a été mis en cause mi-mars par le journal d'investigation L'Événement. Prenons à présent la revue de presse dans ses commentaires et cette sélection de Polydor Ngazianos. La question de la mise en place du nouveau bureau de la CENI a résurgi depuis quelques jours et fait de nouveaux débats. Dans une déclaration datée d'hier, mercredi 24 mars, écrit Forum des As, le groupe des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet 2020 appelle le bureau de l'Assemblée nationale à inscrire à titre d'urgence dans le calendrier des travaux de la session parlementaire de mars en cours la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le G13 persiste et signe donc en posant comme préalable à la mise en place du nouveau bureau de la CENI le vote de la loi organique y afférente. La prospérité revient de son côté sur la question de la nationalité évoquée par Noël Tchani, qui crève l'abcès en proposant une disposition supplémentaire pour mieux verrouiller l'accès au fauteuil présidentiel en RDC. Dans les modifications prochaines de la Constitution, indique le quotidien, il propose d'introduire une condition supplémentaire, à savoir naître des pères et mères congolais.
Selon lui, écrit la prospérité, cette disposition vise à s'assurer de la loyauté totale du chef de l'État à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. La RDC étant entourée de 9 voisins, dont certains ont eu des velléités d'occupation sur la RDC. Aussi, pour Noël Tchani, le nettoyage de la Constitution est important pour protéger le pays contre le risque d'infiltration au sommet, avec tout ce que cela comporte comme danger pour sa souveraineté. Et puis l'Avenir consacre sa manchette au dossier assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana et annonce que l'ancien inspecteur des FARDC cité dans le dit dossier, le général John Numbi, est recherché. Ce dernier est en fuite hors du pays, d'après Georges Kapiamba, qui alerte sur cette fuite, écrit le quotidien. Il se trouverait actuellement au Zimbabwe. Et d'après le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïché, le gouvernement travaille pour son extradition, bien qu'il ne soit pas officiellement informé de sa présence dans ce pays. Mais ce qui est sûr, poursuit-il, le mécanisme de vérification est déjà lancé. Le partenariat entre le gouvernement britannique et l'Assemblée nationale de la RDC va se poursuivre, rapporte l'agence congolaise de presse, la Grande-Bretagne étant un grand partenaire de la RDC. Surtout en ce qui concerne le renforcement des institutions et la démocratie. Déclaration de son ambassadeur en RDC, Émilie Maltman, à l'issue d'une audience lui accordée mercredi 24 mars par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso. Mon pays va continuer à nourrir la relation et le partenariat Grande-Bretagne-Assemblée nationale de la RDC, a-t-elle affirmé, tout en émettant le souhait de voir l'Assemblée nationale et le Sénat travailler pour la paix et la prospérité de la population congolaise. Bonsoir. L'actualité en dehors des frontières africaines, c'est tout de suite dans ce condensé. Benidorm, son ciel bleu, sa plage, ses palmiers. Cette station balnéaire espagnole est d'ordinaire l'une des destinations préférées des touristes en quête de soleil et de détente. Mais en pleine pandémie, les vacanciers ne sont pas au rendez-vous. L'hôtel Poséidon est l'un des rares à être resté ouvert en dépit des restrictions liées au Covid. Seuls quelques voyageurs ayant réussi à échapper au confinement ont répondu présent. Le tourisme senior. Je crois que les touristes seniors seront les premiers à pouvoir voyager. D'abord parce que je pense qu'ils en ont besoin et sont heureux ici, mais aussi parce que ce sont les premiers vaccinés. Avec ses piscines et ses toboggans, cet hôtel attire normalement une clientèle familiale en été. Cette année, il mise sur les seniors pour sauver la saison. Avant notre cible, c'était les familles pour l'été, mais ça a changé. Nous avons une offre spéciale pour les touristes seniors qui comprend les repas, les boissons gratuites, des réductions pour les longs séjours. Et ça ne s'appliquait que l'hiver. Aujourd'hui, cette offre est valable toute l'année. Au petit matin, le calme règne à Benidorm. Certains profitent de la promenade ou de la plage, d'autres des terrasses de café. Pour ces propriétaires de bars ou de magasins, l'arrêt du tourisme est synonyme de quelques travaux avant un été encore incertain. Ce qui frappe aussi ici, c'est la fermeture du quartier dit anglais, celui des pubs et des discothèques. Cette zone de Benidorm est connue pour ses pubs bondés. En temps normal, des centaines de fêtards britanniques viennent ici l'été pour profiter de la plage entre deux gorgées de bière. Mais cette fois, la population risque d'être un peu plus mature. Avec une campagne de vaccination difficile à mettre en place en Europe, certains pensent que les jeunes touristes ne reviendront pas ici avant au moins la fin du mois de juillet. Les visiteurs de plus de 50 ans, en particulier les Britanniques, pourraient eux voyager dès le mois de juin. Benidorm espère que sa connaissance du marché des seniors lui donnera l'avantage par rapport à d'autres destinations touristiques. Les seniors ne veulent pas venir sur une plage paradisiaque pour voir des crabes. Ils veulent voir des gens, ils veulent des contacts humains, un environnement urbain. Et Benidorm a une plage, on a 20 cinémas, des centres commerciaux, des endroits où faire du shopping. Malgré des hauts et des bas, la Commission européenne est toujours convaincue qu'elle pourra vacciner 70% de la population d'ici à la fin du mois de juillet. Pour l'heure, Benidorm compte sur les seniors. Ils ont été les plus vulnérables au Covid-19 et espèrent désormais rattraper le temps perdu. C'est par ici que se referme ce journal. Avant de nous quitter, je vous propose ce rappel des titres.
Appel au dépôt des candidatures pour la désignation des animateurs de la CENI par les confessions religieuses. La question suscite débat au sein de la classe politique. Certains veulent d'abord des réformes électorales avant la désignation. Mois de mars, mois dédié à la femme, les cadres de la jeune féminine de la Convention de la République et la démocratie bénéficient d'une formation sous le leadership de la femme. Geste de générosité de l'ONG Les Enfants Prodiges à l'endroit de la population des Maloukous avec la construction d'un centre hospitalier dénommé Le Pain Quotidien. Tous les matériels sont bien arrivés à Kinshasa. La réalisation de ce journal était assurée de main de maître par Léonard Mémery, qui avait à ce côté Africa Mujinga comme chef d'édition. À leur nom et au mien propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Excellente suite de programme sur notre chaîne.